L'éducation au Sénégal est une priorité pour les autorités, mais l'éducation de qualité reste surtout un enjeu majeur pour la jeunesse. La libéralisation du secteur a vu le développement considérable d'écoles de formation supérieure et d'universités privées. Établissements privés d'enseignement supérieur, centres agréés de certifications internationales, Supimax offre des formations autour des métiers du numérique. Aujourd'hui, nous formons sur tout ce qui est art graphique numérique, l'infographie, tout ce qui est audiovisuel numérique et la communication digitale, le web et les réseaux sociaux. En externe, on a beaucoup d'activités. Déjà avec nos partenaires qui nous demandent des fois des étudiants pour qu'ils viennent participer à des productions de films ou à des ateliers de photos ou en infographie. Comme activité interne aussi, on a des ateliers dans lesquels on invite beaucoup de professionnels. Le numérique a une très grande influence sur le monde du travail et les habitudes au quotidien, estiment les spécialistes. Une étude publiée par l'entreprise américaine de technologie Dell et l'Institut pour le futur indique que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Selon Boubacar Badji, enseignant à Supimax, le numérique est devenu incontournable dans tous les domaines d'activité. Le numérique aujourd'hui est devenu indispensable dans l'éducation, mais surtout dans tous les domaines d'activité. L'Afrique doit s'intéresser aujourd'hui au métier du numérique parce que tout simplement on est dans un monde de communication où la médiatisation ou tout simplement le marketing, tout passe par le numérique. La communication est devenue imagée et quand on parle d'image, on parle de numérique. Les formations essentiellement pratiques proposées par Supimax permettent aux apprenants d'être opérationnels pour pouvoir s'adapter à leur environnement de travail. Les enseignements dispensés par Supimax, selon mon avis, sont vraiment bien. Je m'adapte bien, je comprends bien. Les professeurs sont très explicites et nous donnent aussi des travaux. On arrive à mieux assimiler les cours. Les logiciels sont mis à notre disposition, ils sont gratuits. Supimax nous permet d'être opérationnels. Du fait que les devoirs qu'on nous donne sont axés essentiellement sur des projets professionnels, des situations qu'on peut rencontrer en entreprise. L'Institut Supimax est né du groupe Supinfo Sénégal, créé en 1992. Ce groupe compte un autre institut, à savoir Supinfo, qui est plus orienté vers les métiers de l'informatique. Le groupe consacre son expertise à former des jeunes à l'utilisation de technologies innovantes et novatrices.